Je crois que c'est qui fait ça, monsieur Rollo. Un seul. Bon, du avance. Coup, on est sur le stream. Voilà, bonjour le stream, c'est parti, let's go, épisode 4. Salut le stream. Pour le stream. Voilà, il y a une amulette, je te la donner ou je peux l'équiper? Non, non, mais c'est bon. Voilà. L'amulette que j'ai dans le truc. On s'en fout, écoutez la discussion là, parce que Ced il est en train de tout zapper, il s'en bat les couilles. Attends, on passe pas la discussion. J'espère pour vous qu'ils ne manqueront à personne. Il a déjà fait un dialogue. Hein. Mais les opérations de l'ordre divin sont bon, strictement... Bon, laissez pas Cédric parler, hein, c'est... Moi, s'il me propose de me battre, hein, je me bats. Hein. Oui, enfin, bref, après Saw, elle aura pas l'histoire et ça va faire chier, donc non. On se bat contre qui, là? Deux gardes, il y avait un gamin qui s'essayait de choper, et puis voilà. Vas-y, à toi, Suki. Tu peux monter le son, hein, si tu veux. Petite invocation, tranquillou. Hey! Oh là là, ces vêtements de plumes te vont en ravir. Ouais, je vois ça. Quand elle bouge, elle voit plus rien. Là. C'est comme les chiens avec les longs poils. Alors. Ils ont encore trop d'armure, les mecs. Ouais, pour l'instant, c'est bien. Oh, bah là. Non, mais c'est bien. Vaut mieux que ça le fasse maintenant que plus tard. En fait, il va pouvoir faire plus de 100 après. Non, attends, j'ai pas le sort. Ah bon non, moi j'ai 40 000 sorts. Je dois changer à chaque fois. Hein. J'ai pas assez d'emplacement. Putain, le mec qui croit que je peux tout faire. Non, non. À toi, Gourgandine. Nice ricochet. Il a plus trop d'armure par contre. Mais on s'en fout, vas-y, allez hop. Dis-moi, tu peux pop en hauteur là? Oui, il peut. Non, il peut pas. Genre là? Oui, oui, bien sûr, il peut. Ah, mais c'est deux quand même. Je préférerais le renverser. Je le renverser comme ça. Merde, j'ai pas fait le bon sort. Bon, oh. Mais c'est ce sort là qui me sert à rien. Glory is mine. Non, ça sert à rien ça. Suki. Il a plus trop d'armure magique, le mec. Il y en a un qui est par terre. Le mec par terre, je peux le finir, mais c'est l'autre. Enfin, le finir. Mon totem, il a pris cher. Il a des dégâts, quoi. Ouais. Alors que l'autre, il a encore de l'armure physique, donc je vais moins être efficace contre le deuxième. Très bien même.
Vas-y, t'as l'embarras du choix. Du choix quand ouais, attends, je regarde. Kumba, elle est trop dans sa volonté de pouvoir se planter, elle fait être trop bousculant. Ouh. Ok, ouais. C'est à moi. Alors. Tiens. Moi je m'en foutais de gagner là. Ouais, moi, pour moi c'est de la. C'est du déchet ça, c'est pas grave. Ton tour, Suki. Ah, c'est l'invocation. La cible est bloquée. Je suis pas sûr qu'il tombe. Hein. Il a 43. Hein? Il a 43 d'armure, je suis pas sûr qu'il tombe. Hein. Ah, donc faut mieux que j'aille le taper, ouais. Ouais, tu le tapes normalement. S'en fout, tape-le! Ouais. Vous cassez trop la tête là, c'est pas des combats durs. Voilà, c'est ça, tapons-le là. Eh hey, tiens, coup de bite, coup de tentacule. Pas Soki. Yes. Est-ce qu'il a beaucoup? Encore non, ça va aller vite maintenant. Oui, oui, ça va aller vite. Là, tu l'envoies les dégâts. Là, on le tape à chaque tour et c'est bon. Parfait. Laissez-moi fouiller les corps. Hein. Comme d'hab. Ah, c'est ça, fouille les corps. Viens, fais ta vie. Il y a un tableau de Dame Mariette Carr. Il doit être pas mal à revendre. J'ai trouvé un bouquin, un livre de compétences par terre. C'est bien, il y a un gosse sinon au fond, si vous voulez lui parler. Oh, on peut le tuer ou pas? Ah. Il est où le... Ah oui, je vais lui parler. Moi je vais pouvoir suivre l'histoire. Ouais. C'est vrai qu'il y a de la chance. Ouais, 5 pistes d'or. Out. Attends, j'écoute la conversation minimum. I'm Han. So, you helped me out just there and I'd like to return the favor. Tu vois, finalement je l'ai aidé. Tu as tué tout le monde. Mais ouais, ça empêchait pas d'écouter les dialogues. Ah mais enfin moi oui j'avais compris le dialogue. Mais... There's a place not far from here that's safe enough for our kind. It's out in the swamps. Ain't a home but you can breathe for a minute and figure out what to do next. Let's go already. On s'en va pas loin. Came in to help someone escape and got nabbed before I could sneak back out. I'd ask you the same question, but we're a little short on time here. I know someone on the outside. She might be able to help you too, if we make it out of here. Guy named Verdas. He was close to some people. Bah, c'était l'elfe que Joss il avait vu. D'accord. I was too late. Celui avec des trucs dans la tête. Alors, the magister's got him. Bouteille cassée, je pense que je peux l'acheter, hein, j'ai peut-être pas besoin. Une grenade éblouissante. Lui dire qu'il est temps d'y aller ou bah tout c'est plus c'est je peux lui parler que de ça maintenant. Il y a un super bouclier. Hein? Je t'ai envoyé. Lui dire qu'il est temps d'y aller. Non, faut aller chercher le bouclier, le collier. Ah ouais, mais je peux lui répondre que ça. Ah ouais. Lui dire qu'il y est temps d'y aller, d'autres magisters ils peuvent débarquer à tout moment. T'as pas le choix. You're telling me. Jump in the boat and I'll take the oars. Je suis terminé. On peut peut-être aller voir. On peut retourner. T'as pas le choix. Après. Ouais. Je pense que tu peux quand même. Ouais, c'est ça.
C'est bon, t'as tout ramassé là? Ouais, ouais. T'as fait tous les tonneaux, toutes les petites merdes au sol. Ouais. Je vais vérifier aussi derrière. Je regarde aussi en dessous des. Parfois en dessous des tonneaux, il y a des trucs. Faut... Oh, j'ai reçu des trucs là. Qu'il se passe quoi là? Moi, je t'ai envoyé des trucs hein. Je t'ai envoyé une massue. Un bon bouclier qui est pas mal. Il y a une épée pour Havre. Une grenade éblouissante, ça peut peut-être servir à quelqu'un. Donc on est censé faire quoi? Aller chercher le collier? Non, 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 là on va juste taper des trucs à l'étage. À l'étage. Ok, let's go. On suit prophète. Baston. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à... Ah oui, c'est les fameux, ok. Attention, va pas trop loin. Ah, il y a un coffre là, tiens, je vais essayer d'aller... Enfin, pas un coffre, mais un truc. On a déjà ouvert tout ça. On n'a pas la place pour récupérer des tableaux là? On le fera après! C'est quoi comme touche déjà pour voir le champ de vision? Baston. Avec la molette? Oh! Mais putain! Ah, oh, fais chier. Oh. Ah bah attends, je me mets furtif si tu veux. Mais non, mais il y a une zone, tu sais, en rouge que tu peux pas. Est-ce que tu veux que je me mette en furtif sinon? Ouais, c'est trop tard maintenant, on est tous dedans. Ok. Tu sens quoi? Ouais, on est en combat. C'est... T'as qu'à faire une attaque et après tu te mets en furtif, Ced, pour pas te prendre les dégâts là. Je sorte du match furtif. On a même pas eu les lignes de dialogue du coup, ça fait chier. Non, c'est... bah sinon tu charges. On peut pas charger? C'est pas grave. Pas possible hein? Je me suis planté de touche, ça m'a enlevé mon sapin de Noël là, mon rocher. Non, non, même pas, c'est qu'en fait t'es entré dans leur champ de vision donc ça a mis. Non, parce qu'en bas c'était rouge en bas, ah, pas, pas au-dessus. Ah ouais? Justement, j'avais vérifié. Donc le combat là, ah, faut parler au gamin là. Bon, je lui parle vite fait. Voilà, c'est bon. Allez, on remonte. Ça a gagné des points d'XP ou. Non, non, oui, c'est de la. Si, j'ai gagné les points d'XP là. Enfin, ah, on oui. A gagné tous. J'ai rien gagné. Super. Oh. Ah, bah non plus, je crois pas. Hein. Si. T'as combien de pourcentage sur ta barre en bas, Ced? 83. Bon, ok, c'est bon. Vous êtes à combien vous? Allez, à grand... moi, allez à grand place. Je suis à 85. Mais toi, t'es à 85. Grand place tu veux, oui, tu veux pas aller à. Non. À l'étage? Non, il va vendre des trucs d'abord, je pense. Ah non, non. Donc on va à grand place. Oui, ouais, grand place. Let's go grand place pour aller vendre. Oh, un peu de toute façon, vous double-cliquez sur moi, vous savez plus. Hein. Non, attends, c'est rouge là. Attention, c'est rouge. Hein. Oh, allez, un bol. En vrai. En vrai, vous pouvez rentrer là dedans. Allez-y. Hein. Non, mais vous pouvez y aller. Bah oui, il faut pas y aller en mode furtif en fait. Faut juste. Je te dis qu'il faut y aller. On a retiré, hein. Moi j'ai retiré. Non, mais c'est Seth qui y allait en premier. Je sais pas. Juste rentrer sans le mode furtif et c'est tranquille. Ok. C'est bizarre. Le but d'un mode furtif, c'est d'être furtif, non? Oui, mais les mecs, ils se rendent compte qu'il y a un rocher qui bouge tout seul, quoi. Bon, vas-y, je vois si tu rentres en premier. Ils sont pas débiles, hein.
Ah, je suis rentré sans le mode fortif. Oh, tant pis. Allez, let's go, c'est bon. Soit tu peux invoquer un truc, t'es pas en combat. Non, non, n'avance pas. Ah, pardon. Tant pis. Putain. Ah, j'en peux déjà plus. Au secours. Ça va bien se passer. Oh, je m'en fous. C'est bon. Je suis chez Iman comme ça. Là, on pouvait pas faire autrement. Hein. Non, mais c'est bon. Je m'en fiche. C'est bon. Il a une grosse massue, lui, il ne fait pas. Ouais, mais barre-toi, toi. Ah oui, c'est comme le boss Griff, lui, il fait des attaques en mode éclair de partout. Oh, le boss Griff, c'était un assassin, lui, c'est un mec avec une arme à deux mains, il y a quand même une sacrée différence. Oui, non, mais le talent, c'est la même chose. Il prend drôlement mal, le mec, dis donc. Non, c'est pas la même chose, là, il a touché deux personnes, et là, quoi. Bon, si tu le dis. Eh, hey, c'est vous qui me cassez les pieds, pas l'inverse, hein. Alors, on va faire. On va rien faire parce qu'on est mal placé. On va essayer d'aider les deux Gugus là. Ah oui, d'accord, c'est pas assez proche. Bon! Alors, Suki. Alors. Ton invocation. Ça, c'est un combat difficile, hein. Ouais, grandement besoin de ton invocation. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on est super bien placé, je trouve. Ouais. Au niveau des mages à droite, là-bas, peut-être. Il pourra taper partout son truc. Ouais, tu mets de la soirée des bras cassés ce soir. Oh putain. Et let's go, là. On va les défoncer. Je veux bien de l'armure. Baston. Tu veux pas faire de la baston longtemps quand tu seras mort. Fais ça, ouais. Oh, mais je compte sur vous pour me raise. Qu'est-ce que tu veux, Joss? Du soin sur moi, je veux bien. Si tu veux. Alors. Du soin, ok. De vitalité, ouais. Ah, ouais, j'avais bien compris. Je vais pouvoir la recharger dans le tas derrière. Elle cible est hors de vue, je peux pas te la mettre. C'est pas grave, autre chose. Bah oui, il y a un mur devant. En plus, c'est dommage, Syl, parce qu'il y a une grenade éblouissement dans ton inventaire, tu peux peut-être l'utiliser. Ça marche et, pas si le mec a de l'armure. Ah, ok. Armure magique. Je vais péter son armure magique pour que ça fasse cécité. Ok. Oh, mais tu vas pouvoir utiliser ton caméléon. Je crois, non. Les mecs du dessous, ils sont pris par le tourbillon, non, logiquement, non. Je sais pas, peut-être. S'il est pas scintillant en rouge, non. Scintillant en rouge. Bah, t'as l'impression, là? Non, mais y'a pas une impression à avoir. Est-ce que son contour est rouge? Bah, tous les mecs sont oui, contour tous les mecs. Bah, même ceux qui sont hors de portée, donc. Ah, bon, bah, j'en sais rien. Bah, fais-le. Voilà. Ça marche pas. Ouais. C'est bon, maintenant on sait. Vas-y, je pense que tu peux le retaper une fois. C'est bien. Ouais, mais en même temps, si c'est méta 2. Attends. Apparemment. Ouais, c'est bizarre. Vas-y, Suki. Attends. Voilà. Ça, je vais pouvoir faire comme ça. Oh, merci. C'est quand tu te mettras en caméléon, tu pourras te déplacer vers moi un tout petit peu. Ça te mettra un soin pour 3 tours. Ok. Alors, je vais essayer de voir parce que j'ai. Est-ce qu'ils sont sensibles au feu? Comment tu sais s'ils sont sensibles à la magie ou pas? Tu pourras examiner. Hein? Ils sont sensibles au feu de 20% pour les mages à droite. Ouais. Les deux. Non, l'autre il est sensible à l'eau. Le premier il est sensible au feu, l'autre il est sensible à l'eau. Et celui de gauche il est. Sensible à rien du tout.
peut-être de quoi faire un tir ensuite, te mettre en caméléon ou pas? Ça c'est bon. Non, effectivement, caméléon. D'abord tu fais l'encouragement et ensuite tu fais le caméléon. Ah putain, ouais, ok. Je pensais que vu que c'était un skill passif, enfin actif, mais je pensais que ça allait... Pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, c'est bon, on est tranquille, on va pouvoir gérer les misters. Comment je peux mettre comment ça marche même quand ils ont de l'armure magique et de l'armure physique? C'est parce que j'ai un truc pour... Bon. D'accord. Il est cheaté. J'ai pris le truc qui outrepasse la magie, l'armure magique pour certains états. C'est bien balé. C'est pas... Ouais, bof. Je pense que quand je vais faire un stat, je vais l'enlever, mais c'est bien au début. Après, on est plus sur du pur dégât plutôt que l'application des états. Explose là à côté de toi là. Enragement et hop, tu le dégommes. On parle plus. Quoi handicapant, allez hop. Ah non, ça va pas lui retirer. Bah tape. Ça fait 18 à 20 dégâts donc. Bah voilà, c'est encore mieux. C'est ok. Putain. C'est ça pour ça quoi. Aïe. Ouais, je vois bien. Tu peux ouais. Bélier. Si tu peux passer, parce que ça m'a l'air un peu bloqué, mais ouais. Oh. C'était quoi ça? C'est un soin. C'est le soin de... Pourquoi il a pas attaqué? Il a pas fait bélier. Je comprends pas. Parce que tu l'avais pas activé d'abord. D'accord, ok. La cible est bloquée. Pas. Derrière lui ou devant ou... Ah oh, mais j'y crois pas. Ça a manqué, c'est pas grave. Voilà. Donc ça fait fin de tour. Ouais. Ouais, je peux pas plus faire de soins là. Mais non, à toi dire c'est ton incantation qui est jouée, c'était pas ton perso. Hein? C'était ton incantation qui jouait, pas ton perso. Là, c'est ton perso qui joue. Oui, mais je sais. Mais j'ai fait le soin avec mon incantation. Ah, c'est un truc d'eau? Non. Bah, pas. Là, c'est pas mon perso qui a fait le soin aussi? Non, c'est moi. Ah, d'accord. Okay. Ah, oui, j'ai un sort de zone, en fait. Le truc qui s'est... Quand on entre dans la zone, ça active le soin. C'est ça. Là, ça s'est retiré parce que j'avais fait le max. Il y a Cédric qui est très beau, qui est en vie aussi. Mais va crever. Voilà. Cédric à gauche, il a beaucoup. Ah, faut que je soigne Cédric, c'est ça? Non, tu pourras pas. Tu l'as pas l'autre. Tu l'as pas. Il est où? Il est à gauche, derrière Cédric. C'est pas un soin, ça. Il est là. La vitalité qui est encore dispo. Non, je suis... Elle a pas la vitalité dispo. 4 tours d'attente. Ah bah si, il a une gourde. Ah si, il va se la prendre. Cédric, t'as une gourde? Ouais. Une potion de soin? Moi j'ai vitalité, mais il y a le mec qui joue avant moi donc. Après il a un chevêtrement, mais il peut toujours balancer une grenade. Ah bah non, c'est bon! Non mais.
T'avais déjà un soin qui était appliqué sur toi, t'as pas vu, mais t'étais revenu à 70. Ouais, mais je sais, mais 70 c'est pas 100%. J'ai pris une petite potion, j'ai pas pris une grande exprès. Putain, j'ai raté une flèche quoi. Et ceux du bas, t'avais pas la vision pour attaquer ceux d'en bas? Non, pas en direct. Si, peut-être en bas, mais je veux d'abord. L'autre, elle a pas d'armure physique, Josh, la main de silencieuse. Ouais, dans le fait, quand tu tapes d'en haut, tu sais, ça fait beaucoup plus de dégâts. Oui, oui, je sais. Non, il a pas les bonus pour, de toute façon. Si, je suis à 30 ou 40% supplémentaire, sinon quand même. Ouais, c'est un négligeable. Pour l'instant, ça devrait le faire. Ouais, bien joué. Essaye de faire la zone de d'assommement. Non, assomme les deux. Il est à portée ou pas lui? Ou c'est un peu loin? Non, je peux faire les deux. Oui, les deux mages. Fais le bélier. Non. Bah, renverse les deux, voilà, c'est tout ce que je te demande. Tu t'arranges comme tu veux, mais tu les défonces les deux. Voilà, très bien. Bon, c'est bon, on a repris l'avantage. Oh putain, elle fait des mawashigeri là, c'est bon. Ouais. Basuki. Peut-être t'exploser un peu sur la gauche aussi. Hein. De quoi? Parce qu'en fait, toi, t'as un bouclier, donc tu peux prendre des dégâts, te permettre de prendre des dégâts. Je passe en coup de vent, j'ai pas assez de co pour tenir le live. Un bisou, Sissi. Pas de soucis. Pas de souki, pardon. Bah si, il y a du souki, là. Vas-y. Mais c'était pour le pas de sushi. Je peux faire. Crier. Lui, je peux peut-être le finir. Parfait. Ah putain, bon, bah, je te laisserai finir, Josh. Il joue quand, là, hop, là. Attends, c'est qui? Ok, ça marche. Est-ce que dans le bas, je peux pas les toucher? Ah, si je peux faire un ricochet. Ceux d'en bas, si tu peux les taper. Oh, oh super, les trois. En plus, t'as fait un coup critique sur les trois, quoi. Ah non, sur un des trois. Oh, ouais. En fait, je pouvais taper que celui en bas avec ricochet, ça tapait les trois. C'est bien. Nice. De toute façon, avoir hémorragie l'autre là, donc à mon avis, elle va crever toute seule. Bélier, nice, taper et c'est bon. Ah, j'ai eu une réponse, je suis joie. Oui. Oui, bah quand je vois mon chat bien en gros, je réponds généralement. Puis là, c'est plus calme comme game. Attends, incantation, Soki. Alors. Meuf là. Ouais, la meuf qui est à côté de toi. Je vais juste faire ça, je vais augmenter votre son. Voilà. Oh oui, enfin. Est-ce que tu vas approcher avec de l'autre côté, Cédric? Ça va être trop loin. Ça
pas trop loin, on pourra pas la porter. Je pense. Sinon, le problème c'est que j'ai pas une portée d'arc d'arbalète qui est non plus énorme, donc si je vais de côté je suis pas sûr de pouvoir taper ceux qui sont du vôtre. Là pour l'instant je suis bien, je suis en hauteur, bon, je peux non, taper. Mais sinon par là en fait. Ouais oui, par là. Par ici pour c'est aller bon, sur, c'est en bas. De toute façon il me reste encore un tour avant de pouvoir l'utiliser, donc je pourrai pas tout de suite. Par contre je peux faire ça. Ah ouais, ouais, la trajectoire était mauvaise. Je peux taper que sur lui. Ah merde, allez. On va faire. Allez, aider, je suis là, tiens. Putain! Coup dans ta gueule! Et on va attendre un peu. Ouais, je vais conserver les points. Pour ceux qui se demandent ce qu'ils sont en train d'envoyer, en fait, c'est un boomerang bouclier. Ouais, c'est bouclier, ouais. Ça peut taper deux personnes. C'est un très bon sort parce qu'en fait, ça se base sur la qualité du bouclier, pas sur la force. Juste ton bouclier, il est fort parce que tu fais de dégâts. C'est très fixe. C'est bien pour les temps. À ton incantation, Suki. Il y a un mec à gauche qui est en train de monter, donc je vais peut-être te rapprocher vers lui. Ouais, elle est bien montée le bitcoin, ça fait plaisir. Il est trop loin, je vais peut-être rester là pour protéger mon perso. Voilà. Tac. Et toi, t'as perdu de l'armure, hein. T'as été attaqué sur le tour précédent. Oui, je sais, j'ai répondu aussi, si. Tu peux te remettre de l'armure physique avec ton bouclier. Ok. Peut-être le mettre en bas. Hein? Mais là en bas ton truc. En bas? Il va se faire démoter. Bah non, ils vont pas l'attaquer hein. Hein? Au contraire, s'il l'attaque, ça va éviter qu'on se prenne nous une cible. Ah ouais, on s'en fout que les totems se prennent des dégâts. Alors que si tu le mets à côté de toi, le risque c'est s'ils font des dégâts de zone, ça va te péter. Les totems, faut qu'ils soient le plus éparpillés possible et le plus loin des ennemis pour que s'ils veulent les péter, faut qu'ils fassent le chemin quoi. Ah, dommage, j'aurais peut-être dû attaquer celui de gauche en haut. Ouais. Non, mais je pouvais pas, celui de gauche était hors de portée. Ah, d'accord. Ah, elle s'est régénérée là, ça m'a pris. Il reste 4 points de vie, putain. Oui! Oh, coup critique, nice! Il est où l'autre? Ah, il est là-bas. Non, mais non, mais t'es bien là, conserve ton point! Hein. Ce que je regarde justement. Non, mais t'es bien! Reste là, c'est bien, c'est bien. Oh putain! Okay. Bon. Il a pas aimé mon coup critique lui. Dégage. Tu te rapproches d'eux, ouais, voilà. Ah merde. C'est que quand tu peux pas aller en bas toi, Syl. C'est que quand vous vous déplacez en fait que ça marche. Non, moi j'ai pas le sort des ailes là. Ok.
Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait un qui était monté déjà. Il sert à quelque chose le totem, c'est bien, il a fini l'image. Ils m'ont encore retiré de la... Il m'a pété mon invocation sur le cul. Petit coup de bélier. Et on m'a fait tomber. Ah non, il est encore dormir. S'il a un passe magique, je peux lui envoyer une flèche de feu ou pas s'il... Ou c'est useless. Le grand juge là, il a une carapace magique. Si flèche enflammée, ça passe. Bah, si t'arrives à faire plus de 24 dégâts, ça passe. Je me pose une question. Là. Plus de 24. Bah, si tu fais plus de 24, tu détruis sa carapace magique et du coup elle a plus d'effet. Je tire entre 22 et 24. Ah, ah mais attends, je suis en hauteur, donc ça peut peut-être le faire. De toute façon, il est trop dangereux, le juge, donc je vais le bloquer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça. Eh ben, pas tout. Ok. Ça, mais... Oh, c'est terrifiant comment il crie, les cerfs, c'est horrible. T'as pas l'insufflation? Non mais c'est parce que je me tâte à me soigner ou pas. On va mettre du... Ouais, à me soigner, tu vois. Mais toi, de toute manière, là, tu pourras pas le faire tomber tout de suite. Tu pourras lui donner une supplation prochaine. De quoi? Tu pourras pas le faire tomber tout de suite, le mec, il a trop d'armure. Donc soigne-toi et au prochain tour, tu lui donneras une supplation. Mais... Oh merde. Je vais reculer. Attention, si tu bouges, il va peut-être t'attaquer le mec. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que je te disais. Ah oh, putain, et j'ai pas pu me reculer. Bah non. Du coup, il a pas bougé. Bouqué. Hein? Tu peux taper le juge en bas? C'est ce que je suis en train de regarder. Il est long en point de vie là. La pochette, ils lui ont donné. Oh nice. Allez, encore un coup, il est dead. Top, bien joué. Bien joué. L'autre mec, il est provoqué donc il pourra pas t'attaquer, Suki. Enfin, il va m'attaquer moi quoi. De quoi? L'autre mec qui est à côté de toi là, je l'ai provoqué sur mon tour donc il pourra pas t'attaquer. Il sera obligé de m'attaquer moi. Ça va aller. Oh.
Lui il a plus d'armure, les deux ont plus d'armure. Donc je fais ça. Hop. Ah, putain. Bien joué. J'en ai mal à la gorge pour lui, quoi. Le ventre. Utilisez le ventre. Putain. Pasuki. Une question me trotte dans la tête. Techniquement, si t'électrocutes du sang, ça chauffe et du coup il coagule ? Ouais. Mais c'est vrai que sur le plan purement biophysique, ouais. Techniquement. On a été gâté là. C'est élimination directe. Qu'est-ce que tu cherches, Sophie ? Hmm ? Qu'est-ce que tu cherches ? Je voulais bouger, mais en fait, je peux pas bouger. Merde, quand je clique, ça marche pas ! C'est pas ce bordel ! Il t'a handicapé, donc tu peux pas te déplacer. À toi, c'est vrai. Vous savez que tu es au Loïc, bon, c'était pour moi. Bon, bon, bon. Un truc de zone et il n'y a plus personne. Hein. On n'en a pas. Alors, ah si, j'ai le tourbillon pas sur ma sur mon invocation. Je vais les finir, je pense. Ouais, moi je vais les finir. Ouais. Ça avance. Elle pourra faire tourbillon Suki comme elle l'a dit avec son invocation. Donc après Josh, s'il les a pas finis. Je fouille les cadavres. Ce mec qui jette les dés. Je fouille les cadavres. Il jette les dés à chaque fois. Ah non, ils ont un nom. Ils ont un nom chacun en fait. Bon, pendant qu'il fouille, en fait, la petite histoire, c'est que le juge machin là, avec le gros marteau, en gros, il était en train de retirer la source de l'elfe qui nous a attaqué là. L'elfe silencieuse. Et en fait, bah, elle était normale à la base. Et en fait, à partir du moment où ils lui ont retiré, elle était devenue toute calme, elle disait plus rien. Et voilà, et lui il était là en mode ah, mon travail est parfait. Voilà, comme ça. Et après, du coup, bah nous on peut dire soit bah on s'en va, hein, on retourne en prison. Et il essaye de nous buter. Et on, ou alors on peut dire ouais, je veux participer. Et du coup, on perd. Voilà. Dans tous les cas, il fallait le buter. Bon, je vois les trucs, Syl. Tu feras attention, Syl, il y a un bouclier qui est sympa. Ouais, je regarde. Voilà, tu vas en ville et on t'envoie les tableaux ? D'accord, je suis une mule en fait. Qu'est-ce que t'en penses ? T'es le nain, hein ? C'est toi qui as le troc. Ah oui, elle a pas la. Je pense que c'est peut-être mieux de faire ça comme ça, non ? Tu m'as pas répondu tout à l'heure, Syl, par rapport à l'amulette que j'ai dans le. Bah quoi ? Dans mon sac, ça sert à quoi ? Je dois te la donner, je dois en faire quoi ? C'est pour toi après, mais en fait c'est parce que t'as encore ton colis anti-source. T'empêche ouais, de... Merci. D'accord, ok. Déjà je vais peut-être avoir de l'armement pour toi. De la quoi ? De l'armement. Bon j'envoie à Syl, mais j'aurai peut-être de l'armement pour toi. Envoyez les tableaux là. Ah oui, tu pouvais lui envoyer. Ouais, non mais si tu dispatches, hein, moi je... Envoyez les tableaux là, voilà. Ah, moi j'ai cible trop lourd, je peux pas le prendre le tableau. Il y a le grand là-bas, tu vois. On a un énorme là d'Alexander. Ah, j'y vais. Vous avez monté de niveau ou pas encore ?
Non, mais toi, non. Toi, c'est parce que t'as eu l'assassin et tout. C'est une petite quête perso qui t'a donné oui, ça. Oui, je me souviens. Donc non, on n'a pas monté de niveau, mais on a genre il nous manque 30 XP pour monter de niveau. Donc, il y en a un autre coup. Dans la pièce là. Mais pareil, c'est trop lourd pour moi. Tu l'as vu ou pas? Non, pas encore. Dans la petite pièce où je suis là. Effectivement, j'arrive. Ouais, c'est bon, si je pense. Alors, on lance ça. Les tonneaux là, je vais vérifier. Et une toile. Ah, c'est une toile. Coffre vide. Ouais, ok. What do you need? Ah, derrière, il y a une arrière-cour. Tiens, Joss, tu pourras l'empoisonner ton truc là. Top, merci. Tu renvoies la lance et je vais la vendre. Je vais en parler plus. The woman looks up as you approach, wiping her brow with a grease-blackened hand. Ah, voilà, c'est celle que je cherchais. Tente. What do you need? Oh merde. The woman looks up as you approach, wiping her brow with a grease blackened hand. Oh, j'ai reçu des chaussettes sales. Oh. Ça va se revendre, mais comme ça. Ouais, comme tu dis. Hop, voilà. What do you need? C'est bon, parle plus. Oula, je vois Delilah qui fait des trucs. Un mec qui se bat dehors là, s'il. Oui, je sais, je suis pas encore là. Faut qu'on l'aide ou pas? Paladin Cork. Tu fais ce que tu veux. Non, c'est parce que j'ai voulu rejoindre Joss et je sais pas pourquoi j'ai éteint. Je sais pas pourquoi il est passé par là. Oui, bah passe pas par là. Parce que là on voit être à 3 contre 4, donc c'est pour ça, pour savoir si je l'aide ou pas, mais. Non, mais on va pas passer par là. On va aller là où il y a Sauf, c'est bien. C'est bien là où elle est. Attends, je suis en train de vous rejoindre. Ah. Bon. Bah, non, remarque, c'est bien là aussi. On est en combat là. Ah putain, mais ils sont en combat! Mais putain, il va crever! Ah oui, c'est ce que je t'ai dit! C'est ce que oh, je t'ai dit! Mais bordel. Je t'ai dit tout à l'heure justement, si. Oh. Mais dis oui, c'est normal, j'arrive. Ah écoute, c'est normal. Putain, c'est pas possible. Mais ça sert à quoi le paladin? Bah, il va crever de toute façon, moi. Bon. C'est rien, non, rien. Non, bah tant pis, c'est pas grave. Mais dans le scénario, il sert à quoi? Mais tant pis, tu en feras le jeu, c'est pas grave. Ouais, c'est bon, dis-moi. Non! Joss, tu lui mettras ton parchemin de fortification en espérant qu'il survive. Voilà. Le paladin avec 21 points de vie? Oui, il est avec nous! Ouais, mais ça va être compliqué. Hein. Non, sans deck, je m'y attendais pas. Moi je t'ai dit hein, qu'il y avait... Oui, c'est normal. Ou alors tu dash et tu fais provoque. Oui, non mais moi je vois, normalement il y a des conversations. Mais vous, comme des... Bah non, mais je sais pas vous êtes pourquoi. Sortis, j'étais fait, dedans, ah, moi ça... C'est bizarre, il y a 6 mecs en armure, ils vont m'attaquer. C'est bizarre. J'étais dedans, j'entendais que ça se ferait à l'extérieur, je sais pas. À toi, Suki. Bah je sais pas, j'attendais de savoir ce qu'il fallait faire, mais bon, ok. Bah, tu peux soigner le paladin. Non, elle pourra pas le soigner, et elle est à 100 km. Oh non, elle est hors de portée. Tu peux attaquer l'archer, c'est tout là pour l'instant.
succède. Non, il a pas de soin. On peut faire sacrifice de chair aussi, ouais, pop à un totem. C'est ce que je veux faire. Hop. Le totem peut-être... T'as cette portée pour le mettre ici ou pas? Non. Tu peux le faire tomber l'archer là. Ouais, c'est une bonne et chose. Et tu peux peut-être même aller jusqu'au magistère épéiste, ça se trouve. Avec, ouais, mais il tiendra pas, il y a 4 mecs. Mais c'est mecs bon, elle fait son truc de son côté. Elle fait son truc de son côté là, elle pourra pas nous aider. De toute façon, il y a 5 mecs qui vont attaquer. On va faire juste bélier sur le MFO. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais t'as pas cliqué sur bélier en bas? Mais je vais cliquer! Merci, je clique dessus! Là c'est cliqué, hein. Faut que ça fasse ça là. Sinon t'appuies sur les chiffres, bah, c'est plus simple. Bim. Alors qu'est-ce qu'il peut faire là, Cédric? T'as fait tir de barrage là? Non, je peux pas. Ah. Parce que ça lui a fait qu'un seul coup donc. Je voulais faire ricocher pour taper suite derrière mais un peu trop loin. Bon. Non, tu TP le paladin. Tu peux le renverser. Non, je vais pas le TP parce que ça lui fera des dégâts. Là, tu peux le TP. Oh. TP le mec qui est devant lui par contre. Je peux le TP proche de moi. Hein. Ouais, nickel. Oh, j'aurais dû le faire. Je fais fortification sur le paladin. Ah ouais, si tu peux, vas-y. Aïe. Putain. Combien de points ça me prend de... Ça, j'imagine le paladin qui se retourne, qui voit trois glandus qui ouvrent la porte. Et on doit aller se battre ou pas là? Parce que ça a l'air chelou. Est-ce qu'on l'aide? Il tire par la porte parce que du coup il a pas envie de s'engager. T'es. Et de l'autre côté de la barrière, il voit une elfe en train d'invoquer un truc. Qu'est-ce qui se passe? Si je meurs, je ferme la porte et puis c'est bon quoi. Je me barre. Putain. Au secours. Toi, Suki. Hop, un autre totem. Et... Yes. Et attaquer directement le magister. Ou te déplacer parce que l'attaque va servir à que dalle. Je vais me déplacer avant de pop le ouais, truc, je pense. Avant de pop le totem parce que. Non. Ah bah je peux toujours pas... Mais c'est bon, t'inquiète, vas-y, occupe-toi de ton magister là. Oh, il va prendre tarif en plus. Ouais mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, il est trop con. Il est suicidaire en plus. Putain le bon dieu. Ah, il vient de faire 3 coups quand même à l'archer là, il a perdu toute son armure l'archer. Ah ouais, mais du coup il est mort, c'est tellement intelligent. Il est pas encore mort là. Ah, il a encore de l'armure, il a encore de l'armure, je vais quand même rajouter 60 d'armure. J'ai encore un parchemin que je peux lui foutre sur la gueule, à la limite. Ouais. J'allais dire, fais repli tactique et justement essaye de choper les archers plutôt que ce mec là. Mais... Ah ouais. Voilà. En fait, tu me diras, je peux me mettre là. Ouais, je peux me mettre là aussi.
Bon, pour l'instant, je suis safe, tu vois. L'archer, je peux le taper là en bas, là. Je peux taper tout le monde. Putain, je sais pas de fissure. Bon, c'est compliqué là. Oh putain. Il l'a pas encore attaqué. Non mais il va crever, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. C'est rien que je fasse ça, hein, t'as rien pour l'aider. Ah mais l'autre il est condamné. Je le vois même pas. Ah il est là, d'accord, c'est pour ça que je me suis pris en charge. J'ai pas la portée pour l'aider. Non! Non non, il est mort. T'as pas une grenade? Non, bon c'est bien. Et on peut pas le ressusciter? Ah non non non, il est... Une fois qu'il meurt, il meurt. Bah c'est pas grave, dans notre partie il sera mort et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. À toi Suki. Bah attends la incantation, tu peux taper l'archer, je pense que c'est mieux, ouais. Ah à mon avis j'ai crash. Ah non c'est bon. Oh non mais moi c'était pareil. J'ai eu peur. Il y a eu un petit freeze là. Ah niqué. Essaye de... Non, attends, peut-être pas la porter. De soigner le... Ouais, non, il va être trop... elle va être trop loin. Te rapprocher pour soigner le paladin. Il est là. Je me rapproche. Non, laisse tomber, il est trop loin pour toi. Mais de toute façon, écoute, tu te rapproches, l'archer, ouais, tu vas la buter, donc... Ouais, rien qu'avec tes totems, ça va la tuer. Non, mais même l'invocation, de toute façon. Oui! Ouais, faut que tu te rapproches de nous. Ouais. Et tu te rapproches le plus possible. Oh, j'espère qu'il va se mettre le bouclier, le paladin là. Oui, nickel. Dégâts de feu, les gars. S'il a de l'armure magique, même dans le pétrole, ça sert à rien, ça fait pas de dégâts. De quoi? Une flèche enflammée qui sont dans du pétrole et qui ont de l'armure magique, ça sert à rien pour l'instant. On est d'accord. Normalement, ça devrait leur faire plus de dégâts, mais. Ouais. Déjà, toi, tu me casses tes couilles, je sais pas ce que tu vas faire. Ah, dégage. Ah, si l'archer lui tire dessus. Oh oui, tire sur moi, vas-y! C'est bien! Miracle! Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Ok, bon bah j'ai rien dans mon truc, c'est bien. Bah, tu as déjà redonné des points de vie, c'est pas mal, il devrait tenir. Hein. Alors regarde l'enchaînement des tours, hein, avant de dire ça. Il y a peut-être moyen, mais il faudra vraiment aller l'aider quoi. Et toi t'es bloqué, tu peux plus bouger. Donc vu que tu peux plus bouger, si ça je fais... Ah non. Ouais, non. Je peux retourner après me redéployer mais... Est-ce que je peux envoyer des trucs sans que ça bouffe mes points? Oui! Donc je t'envoie une boule de feu en parchemin. D'ailleurs, les grenades, c'est toi qui dois les avoir. Mais j'ai moi, des je grenades. Les envoie à toi parce que. Voilà. Hein. J'ai la grenade perce armure là. Non, évite d'utiliser celle-là. T'as une grenade aveuglante? Je me protège aussi.
pas déconner. Ah, quoique. C'est pas grave. Ça a touché 4 le ricochet, eh ben dis donc. Bah après lui tu peux essayer. Bélier, je sais pas s'il marche. Match à GG. Je peux pas l'attaquer là. Bah fais la boule de feu ou le cocktail molotov sur le mec derrière. De poison sur les mecs devant là. Ils ont de l'armure magique. Non, eux non, ils en ont pas. Ah, ils en ont plus. Ils en avaient, ils en ont plus. Après, moi je vais faire ça. T'as rebellié ou pas avec ton incantation? Je crois pas. Mettez vos points de skill pendant le combat, hein. Vous pouvez, et l'avantage c'est que vous êtes plus fort. Ah oui, effectivement. C'est quoi une skill? Mettez tout ouais, level là, up, demande mettez trop quand même là, c'est franchement. On demande un peu. Non. On est concentré sur notre truc. Il y a 4 trucs à mettre. Bien joué, ça. Elle a de l'armure magique, ça va pas faire grand chose. Hein. Ouais, c'est mieux de faire ça, ouais. Hein? C'était mieux ce que t'as fait, ouais. Plutôt que d'utiliser ton sort. C'est un miracle! Je vous annonce qu'il va probablement survivre. Je peux pas faire grand chose pour le repli. Okay. Attaque les archers là qui sont en face. Là. Enfin, l'archère, parce qu'il y en a qu'une. Je sais pas trop si j'attaque le magistère épéiste ou l'autre. Ouais, l'archer, t'as raison. Le magistère avec le bouclier, le problème c'est qu'il va s'en remettre derrière. Donc, Ouais, et puis il est quasiment mort l'autre là. Du coup. Non, il va se régène avec son shield là, je pense. Magister, hein, je parle de Magister. Celui ouais, qui est dans le feu à droite. Ouais, le Magister. L'archer. L'archer. Ah, l'archer, oui. En deux tours, il est mort de brûlure. Sans me taper. Moi au prochain tour. Suki. Mm.
Archer est morte ici, donc il y a... Ouais, non, il reste deux pélos à choper. C'est juste pour voir si je peux les taper ou pas, mais je crois pas, faut que je m'approche. Si t'as le bélier, tu peux peut-être t'approcher rapidement. Non. Ah bah, c'est comme ça. Comme ça. Ouais. Après, c'est à ton personnage de jouer. Pareil, peut-être te rapprocher. Et après le combat, tu iras parler avec le paladin et j'écouterai le dialogue. Mais en fait, devant, il disait c'est inadmissible, je sais que vous faites des trucs chelous et voilà. Et eux, ils étaient en mode non, tu rentres pas. Mais je suis votre supérieur hiérarchique, rien à foutre. Jamais trop sûr. Ouais. Ah, c'est à moi. Ça y est, la fille. Oh. C'est chiant de finir aller. C'est bien, t'es dans ta dynamique de la fête. Bon, ça se finit mal. Ton incantation, Suki ? Mmh. Bon, je pense que tu peux juste passer le tour, hein. Ou alors la rapprocher au maximum. Mais... C'est quoi ? Tu peux passer le tour, je pense. Il reste que la. Que l'archère. Et... J'ai peur que il soit devant et je... Ouais, passe ton tour. Ou tu te rapproches au max. Je touche le mec, quoi. Ouais. Passe le tour. Faut bien que je passe, hein, ouais. Il lui reste que 60 points de vie, elle est couchée, normalement. Ouais. Avec le... 5 avec le paladin... Voilà, 30 points de vie. Si tu peux faire hâte, peut-être, sur le... Ouais, super. Voilà, et là, normalement, tu le finis. Non, je suis trop loin. Ah, merde. Eh bah, c'est... De toute manière, c'est... Ah, ça y est, c'est bon. Oh, un point de vie. C'est abusé ça. Petite épée. Par voilà. L'épée de Lucienne, ses majestés ont perdu la tête. Tout va bien, lui assurer qu'il n'y a pas d'autre coup d'avoir. Tout va bien. Attends, laisse les autres écouter la conversation. Ah ouais, mais bon. Bah oui, mais... C'est moi qui devais lui parler. Non, mais ouais, il lui a parlé automatiquement. Ah, parce que. Ouais. Fouillez pas les cadavres, du coup. Bon, c'est bon. Fouillez pas les cadavres. Non, alors on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de fouiller les cadavres. Dis-nous si on doit se présenter. Ah non, moi parler aux gens, ça m'intéresse pas. Moi, je veux me battre. Vas-y, je suis un paladin, bien sûr, misère. Champion de l'ordre divin. Champion de l'ordre divin, nanani, nanana. C'est comme ça qu'il le dit, quoi.
Et que je te mets du paladin par-ci et du paladin par-là. C'est un acte de trahison. Demander ce qu'il fait son compte de rapport. Voilà, il ne manquera pas d'éveiller l'intérêt de nos supérieurs. Trêve de bavardage. Ah! Quoi? Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas encore pas suivi l'histoire, quoi. Ah merde. Mais non, bon, bref, c'est pas non plus la mer à boire. Et c'est plus sympa quand on le lit dans un dialogue qui a été écrit par les développeurs. Alors, ensuite, il en reste. En gros, il va informer. Voilà. Il fait partie de l'ordre des paladins, qui est une branche supérieure à celle des magisters, entre guillemets. Et en fait, bah, les magisters, ils savent qu'ils se trament quelque chose, mais du coup, ils n'ont pas voulu le laisser entrer. Il est venu, il a fait son petite enquête. Et maintenant, il va reporter ça à ses supérieurs. Et peut-être que dans la suite de l'histoire, ça aura une conséquence pour peut-être nous. Peut-être que ça a coupé. Peut-être que pour la suite de l'histoire, ça aura une conséquence pour nous, qu'on retrouvera ce personnage avec un autre personnage. Et qui nous diront, ah, mais oui, vous l'avez sauvé, donc on vous fait confiance, tu vois, des trucs comme ça. D'accord. Mais c'est surtout que ça explique qu'il y a un ordre supérieur. En faisant halt, il y a plein de choses à ramasser par terre. Ouais, attends, mais moi là, c'est pareil, j'ai plein de trucs. Hein. Ouais, il y a un balai, il y a un tonneau de bière. Je fouille les coffres pour l'instant, les tonneaux, mais ramasser les trucs au sol, vous pouvez. C'est pas gênant. Le tonneau de bière, il est trop lourd. Là, derrière, il y a une hache à une main. C'est les trucs au sol que vous pouvez récupérer sans trop de problèmes. Et il y a un marteau à griffe au-dessus à gauche là-bas. Attends, j'arrive sur l'autre bout. T'as vu Sugi ? Non. Pas sur la tête. Il faut faire halt en fait pour voir les choses. C'est ça, je suis en appui sur halt. Il y a une. Sylt, t'essaies de voir si tu peux, il y a une porte verrouillée là. Dommage. Ouais, peut-être que toi tu peux voir. Ouais, continue. Et bah ici il y a une hache aussi là. Ouais, il y a plein de trucs à récupérer. Ah ça. Merde. C'est ouvert. Si vous pas vu, je peux pas la récupérer. Hein. Non, c'était t'as la hache. T'as plus de crochet, si j'en ai droppé. Merci pour le balai, c'est... Ouais, c'est ça là, hein, le balai, voilà. Tiens, tu peux probablement le revendre. On va voir du côté de Sid, Josh, j'ai plein de trucs à ramasser au sol. Oui, il y a des petits bouquins que vous pouvez lire si vous avez envie. Il y en a certains qui sont rigolos. Ah. Du raisin, des poires, une dague, un couteau. Ah, le couteau, il est bien. Oui, il est bien. C'est un couteau, mais c'est juste un couteau. Calme-toi. Le citron qui peut être vendu. Je sais, elle te donne combien ta cuirasse? Ma cuirasse, elle me donne 19,4. Oh, ok. Laisse tomber. Tiens, je te donne un couteau. Trop aimable. Une baguette magique. Et un citron qui chauffer. Vaut quand même 16. Waouh! Putain, je suis un marchand! Mais attends, il vaut 16 hein, quand même. Oh. Non, il vaut 16 là, mais quand tu le revends, il vaut moins cher. Ok, je pense que j'ai à peu près. Non, j'ai encore un coffre là. Elle a été fait. Let's go, on avance. Ok. T'as ramassé des trucs à côté de l'autre côté de Josh là? Ouais, super. Oui. Il y a plein de coupes et tout là. Ça vaut pas le coup ça? Non, bah, rien. C'est une pièce d'or. Même okay. Pas, zéro pièce d'or. Allez, non, attends, si je t'envoie les trucs parce que. Attends, j'ai droppé des trucs. Le balai, ça sert à quelque chose? Tiens, je t'envoie non, un super laissez-le bouclier. Ce balai, putain. Ça rapporte pas assez le balai. Ouais. Tiens. Oh putain. Dispatch aussi, là, il y a des trucs intéressants. Je t'envoie tout, mais.
Ah, oui, l'outil je vais le vendre, les gants aussi. Le bouclier ça sert pas à... à saut par exemple? Non, non, le nôtre il est meilleur. Je sais pas si c'est un truc. Les trucs... Bon, c'est pas grave, je vais les garder. Tu vois, les gants et la ceinture avec télékinésie, c'est intéressant de les garder pour quand tu veux utiliser le machin. Machin. Ah, en gros, quand tu veux utiliser la télékinésie, plus t'as de points, plus tu peux le faire de loin. Et donc c'est intéressant de garder ces objets-là dans ton sac, parce que quand t'as besoin de les utiliser, juste tu les équipes. Je m'en fous de la télékinésie. Bon, c'est pas grave, moi je vais les garder, parce que... Bon, je vais revendre, c'est pas grave. Il y a des points à utiliser aussi, Suki. Ah oui, c'est vrai. State your business. Parfait. Joss, tu m'envoies ton marteau? J'ai une hache si tu veux. Enfin ta hache, ah quoi que elle te donne plus. Non, non mais envoie-la moi. Je m'appelle un coq. Ça y est, c'est fait. Hop. Hop. Le pont-levis, on peut pas le aussi, si on peut là. Évitez d'aller de n'importe où, regardez s'il y a des choses devant vous avant d'y aller. Tiens, Joss, cadeau. Merci. T'as réussi par rapport à tes stats, Suki? J'ai rien fait encore, je suis en train d'encore de fouiller les trucs. D'accord. J'ai tout fait dans la main. Ouais, bah, je sais pas, j'ai ouvert des trucs, j'ai trouvé des trucs moi dedans. Bah, c'est bien. Ah, attends, j'y suis pas allé par contre. C'est Théora qui va partir. Ils ont préféré se débarrasser de Théora plutôt que de Phil. Ouais, si je t'ai pas vu. Oh putain, vas-y. Ah, j'y crois pas. Putain. Ils ont préféré faire Théora que Phil. Leave a fellow to his sleep. We may be in prison, but we aren't savages. Ah bah tu vois, il y a un truc hors d'atteinte là. Ah oui, sans doute. Tu vois, de l'autre côté là, devant toi, de l'autre côté là. T'as des sacs en fait qui sont au sol. Et c'est hors d'atteinte, tu vois. Ça, il a l'île des manies encore. Oui, mais bon. Et, ah oui. Il y a un tour aussi. Ah, je peux pas aller dedans. Tu es juste à côté? Ouais, je peux pas. Attends, si je me mets là, est-ce que ça me changeait grand chose? Non, je peux aller qu'au sol. Oh, tu es pour ping. Ouais, je peux pas, hein. Je peux même pas me TP sur la tour. À côté des sacs, non, mais à côté des sacs là. Oh, tu es pour ping. En haut à droite. En haut à droite, là où t'as la flamme en dessous de l'encre. Une torche, juste une torche, c'est une torche. Ouais. En haut à droite. Ouais, je peux pas, ça. En haut à droite. En haut à droite. En haut à droite. À gauche, t'as une torche jaune. Ah oui. Juste ici. Je peux pas. Je peux pas te téléporter là. Non, je te l'ai dit. Je
peux pas. Dommage. Ouais, tu m'as pas dit que t'avais ouvert la porte là, si là. Si, je te l'ai dit. Ah, excuse-moi, j'ai pointé en bouche. C'est pas grave. Faut pousser les trucs après, il y a quelque chose derrière. Ou alors je peux faire ça. Attends, je sais pas, je vais pas le faire peut-être. Voilà. Je veux pas décaler le truc. Moi non plus. Ah, c'est le coffre que t'as récupéré, super. Oui, mais après il y a des sacs. Ouais, bah c'est ça. C'est ça que je peux pas le choper. Tu fais repli tactique derrière. Je peux ou pas? Non, je peux pas. C'est le gros truc qui m'emmerde en fait. Bon, moi je reste dans quoi d'ailleurs? Ouais, dans bon, intelligence et. De toute façon, c'est voilà. Simple. De toute façon, c'est simple. Nickel. Ah oui, c'est vrai que... Ouais, je sais pas. Je ne sais pas, ça dépend. J'ai un bâton improvisé 6-8 de poison. Une dague pourrie. Ah, ça c'est pour saut, tu vois, ça, le petit anneau invocation, ça c'est... Moi je t'envoie tout, après. Ça c'est pour saut, ça c'est à vendre. Tu prends pas beaucoup de dégâts, donc peut-être la constitution, tu peux laisser un peu en saut. Est-ce que t'as des sorts à apprendre en plus? Si vous. Non. Sac à des liens, elle pourrait, en apprendre plus, plus hein. C'est quoi ça? N'hésite pas soit à balancer tous les items droppés là. Je l'ai déjà. Donc pour l'instant t'as pas de sort à apprendre, donc la mémoire on va attendre. Donc peut-être intelligence et un peu de perception aussi, c'est important d'avoir la perception. J'ai toujours dit. Oui, tu l'as toujours dit. C'est qui va commencer, qui va dépasser. Et en vrai, je l'ai monté d'un point, hein, tu vois. Je fais des efforts. Hein. C'est bien. The woman looks up as you approach, wiping her brow with a grease-blackened hand. T'es sûr que tu veux que je fasse d'autre? Y'a rien d'autre. Pour l'instant, t'as pas de sort qui nécessite quelque chose en particulier, donc peut-être qu'on a juste l'invocation. Et le dernier, bah, toujours la même chose. Donc, l'âge de charpentier, ça te sert ou pas? Bah, ce sera à la revente, oui. Tout ce que t'as là, y'a pas des trucs très forts. Moi, je suis à côté de le vendeur là, donc si vous voulez. Être... Ouais, sauf faut que t'envoies tous les Faites trucs. Faites gaffe à vos micros parce que soit vous les collez dans votre bouche, soit ils sont trop loin. Couvert juste. Oh, tu m'entends en saturation ou ça va? C'est non, c'est que saut et je. Okay. Ça passe vraiment. Ouais. Ah putain! Voilà. Là, c'était trop fort. Et là, quand je parle comme ça, c'est bon? Ça va. Ok. Tchao, 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 tchao. Bon, je vais. Faut que je vide parce que. Ah, je peux commencer à vendre de toute façon. Hein. Ouais. Oh bordel. Ah bah attends, j'ai pas envie de parler. Hein. Putain. What do you need? Baguette magique en pierre. C'est pour moi ça? 7 à 8 poison. Regarde avec ton bâton. Ouais, compare avec ton bâton si c'est plus intéressant. Ah bah oui, il est mieux. Sinon, faut le vendre. Ce sont toutes les deux des baguettes. Hein. Ouais, c'est pour ça, sinon tu. L'ancien, tu le files à Josh. Ah, si, pareil, t'as une armure normalement et puis un anneau. L'anneau va être intéressant, ça va te donner de l'invocation.
T'as mis un point en mémoire du coup ou pas, So? Juste non, pas, elle a pas mis en mémoire. Elle a pas un emplacement en plus là qui est pas occupé? Ouais, si, de toute manière, il y a des sorts qu'elle utilise pas vraiment. Genre l'éclair, il est pas vraiment utile pour le moment dans les combats, donc elle pourrait très bien en la prendre un autre plus utile. D'accord, bah tiens. Je t'envoie le livre de compétences éclair dimensionnel, je l'ai déjà moi. Attends, Syl. L'armure en cuir, moi j'ai. Enfin, m'aurait intéressé sinon. Ouais, bah tiens. Oh, je l'ai envoyé à Sao, bordel. C'est pas grave. Il me donne un peu plus de résistance. Voilà, je te l'ai envoyé. Ouais, merci. Comme je disais avant que. Ça y est, je t'envoie l'autre. Je me fasse interrompre. Et en fait, Syl, je t'ai pas dit, mais je veux juste interrompre. Ah, je t'ai envoyé un sort, ce haut de glace. Lui, ouais. Soit je te renvoie le. C'est purement en fonction de. Tu l'as déjà appris? Oui, j'ai déjà appris, c'était pas bon. C'est bien. Ah bah, en plus, anneau, à la place pour le prendre, donc c'est top. T'as un anneau dans ton inventaire à prendre, So, je sais pas si t'as vu. Ah, c'est quoi, c'est un premier score? Ah, c'est pour prendre des points de mémorisation. Non, c'est pas une question de mémorisation. Parce que t'as pas de points en chasseur. Tu n'en auras jamais cette compétence, tu pourras jamais l'utiliser. Ah oui, d'accord. On va faire ça. Ouais, nécessite un chasseur, ouais, tu vois, nécessite un chasseur, t'as pas chasseur. C'est quoi comme compétence? Tu t'en fous, tu pourras pas l'utiliser. Donc tu... Mais moi, chasseur. Mais tu pourras pas l'utiliser, putain de merde. Je sais pas, justement, je te pose la question, c'est quoi comme truc? Premier secours. Ah oui, oui. Elle l'a eu en bouffant un corps et c'est spécifique aux elfes, donc tu ne l'auras jamais, c'est pas un bouquin. C'est pour ça que je te demandais simplement de quoi il s'agissait. J'ai pas dit, Alors, So, regarde dans ton inventaire, tu as un bouquin d'eau et un bouquin avec ton truc violet. Tu fais. Ouais. Tu les combines. Et t'as un anneau aussi. Oui, l'anneau, il faut que tu l'équipes, c'est important. Et j'espère que t'as mis un point en invocation. Bon, allez, jusqu'à 10. C'est très important. Oui. Et en plus, les bouquins, il y en a certains, il faut tester, tu peux en combiner. Comment je le combine? Je les mets l'un sur l'autre. C'est diable, ça vient par là. Encore combiner. Et tu choisis ce que tu combines. Et après, tu fais combiner. Et là, tu as obtenu une nouvelle compétence qui est. C'est intéressant parce qu'en fait, quand il y aura des ennemis qui auront tous énormément d'armure physique, mais qui en aura bouffé toute leur armure magique. Si ton invocation elle est de terre ou de sang, tu fais ça dessus et du coup il fait des dégâts magiques. Et en plus il a le sort de soin. Et ça marche pour tous les bouquins en fait. Tant que tu le mélanges avec un bouquin d'invocation, tu veux feu, tu le mélanges avec un bouquin de feu, etc. T'as compris? Voilà, c'est juste ça, comme ça elle est au courant, elle sait. Ça marche avec les bouquins d'éléments, parce que bon... Ça marche pas avec tout non plus. Alors, d'ailleurs, je voulais scinder certains objets. Alors, ça c'est pour Cédric, il est là, la grosse bandine. Et Joss, il a déjà ses fioles de poison. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ça c'est bon. Les bouquins là, ne servent pas. En vrai. Hein. Ah, il faut que je le mette à la place de quelque chose, le nouveau sort, la insufflation d'eau. Je peux le mettre à la place de l'éclair dimensionnel que tu utilises jamais, par exemple. Enfin, quasiment jamais. Enfin, c'est ce que Jassi a dit, donc moi j'en prends juste. Ce que j'utilise jamais, c'est surtout le réveil de Kavada pour souffler. Bah voilà, bah retire ça. C'est bien. Tirera le point plus tard. On va qu'elle vire nécromancie alors dans ce cas-là. Oui, mais on fera ça plus tard quand on aura la restat. Moi aussi j'ai des trucs que je vais changer. On va tous changer des trucs.
sens que c'est de la merde. Continue, on avance un peu dans l'histoire. Ah oui, oui, on va avancer là. Le pont-levis là, aller chercher. Oui, le pont-levis, oui, on peut faire ça, oui, effectivement. Je voulais, mais... Merde, pourquoi ça me dit hors d'atteinte? En soi, là, depuis tout à l'heure, on avance dans l'histoire, hein. C'est pas... Ah oui, ça m'a fait passer là-dedans. Bah rejoignez-moi au pire. Je te suis. Alors je sais pas si on m'a envoyé le bouquin, mais je pense que oui. Tiens, bah ça sera pour So. Je vais te l'envoyer, tu pourras lire. Ça nous fera des infos pour l'histoire sur un personnage qui reviendra de manière récurrente. Je l'ai lu tout et après en fait j'en faisais, je le garde. Ah, tu l'as lu là? Je pensais que t'allais lire à haute, bah tant pis. Bah oui, c'est pour, c'est pour tout le monde en fait, donc Alors, pour le lit, c'est ça? Oui. Attends deux secondes. Alors, je retourne dans l'inventaire. Dali a découvert un petit tour de premier ordre, cela le rend si... docile et plein de bonne volonté. Mon terrain de jeu n'avait jamais connu une telle abondance de plaisir. Mes progrès devraient la ravir. Personne n'aime jouer avec un zombie. Après tout, sans une once de conscience, ça ne serait pas drôle. Voilà. Okay. Ça, c'est le note de Niels. Non, c'est Niels ou Niels. On n'a pas fait cet endroit-là où on est. Non. Face, non. Là, on va taper aussi un truc costaud, là, donc ça va être... Attends que j'arrive, deux secondes. C'est Seb, c'est So ou Joss qui passe en premier. Attends, moi, je me mets quel en haut là. Ouais, on t'attend. Les... Je peux mettre au bord, là, ou ici, ou ça va être... avec les bougies, ou ça va être risqué, enfin... Non, tu pourras, mais attends, avant d'avancer un peu plus. Non, mais ce que je dis pas, c'est que je serai à portée tir ou pas, c'est ça ma question. Ah, je ne sais pas. Ok. On gagnera probablement un niveau entre deux pour ça, donc je vais peut-être partir. Sur. Je pense pas, je suis en mode furtif, je vois rien. Ok, bon, allez, se passer l'un de vous deux là devant. Parler à Niels qui est tout au fond. Et si vous remarquez ici, il y a le corps de Gavin, l'enfoiré qui nous a fait un doigt quand il a été téléporté. Où tu vas? Où tu vas? Là. Toi, tu vas là. Qui c'est, toi? Moi? Non, l'un de vous deux, peu importe, c'est pour le dialogue. Qui es-tu? Qui es-tu donc, ma petite salamandre? Regarde son prénom! Il s'appelle... Je sais pas, là, il y a marqué narrateur, attends. Il parcourt votre nuque du bout du doigt. Lui donner une tape dissuasive sur la main. Niels, le découpeur. Ok. Quelle souplesse! Rien de tel que le contact rafraîchissant de la peau de lézard. Please, come in. Je t'en prie, entre et surtout n'hésite pas à te mettre à l'aise. Dire que c'est mon peste le sang. Ceci est mon terrain de jeu, mon petit sanctuaire à l'écart des horreurs du monde extérieur. Là-haut, quant à mes jeux, ma foi, ils te marqueront à jamais de leur empreinte. Bon, désolé, je m'en vais, je me suis trompé de baraque. Je vais partir sur le champ. Manifestement, tu ne m'écoutes pas, Trésor. Peut-être devrions-nous commencer à t'agrandir un peu les oreilles. Et
Time to die for Papa. Il est un peu dingo, hein. Mais non, c'est un artiste. Alors, pour la tactique, vous voyez les trucs en cage là? Bah ça va taper leur cage jusqu'à ce que ça sorte. Voilà. Et quand ça va sortir, c'est... Ils ont pas d'armure, mais ils tapent fort. Bah c'est des golems de viande, hein, c'est vrai. Ah oui, ok, ils ont un rejoint. Il y a ça, et il y a des moines silencieux aussi. Ok. Y en a pas mal d'ailleurs. Donc, alors, qui s'est pris des dégâts là? Personne entre nous. Bon, on va commencer par ça. Ensuite, on part sur du dégât physique avec lui. Ok. Je vais peut-être attendre. Je vais conserver mes points. Ouais, t'écartes pas de lui, c'est bien. Tu boostes ta petite bestiole là, ça va être très bien. Je pense que tu peux le renverser si tu joues bien ton coup. Avec quoi je le renverse? Non mais tu regardes son nombre de points d'armure et tu t'adaptes à comment les dégâts, comment tu veux les faire pour faire en sorte qu'il tombe à terre. Avec renversement. Parce que là, tu vois, il reste 36, ton invocation fait à peu près 24, 20 dégâts. Je suis à mon invocation, là, il faut que je mette fin de tour, c'est ça? Oui. Ah, tu fais pop ton totem, par exemple. À distance de nous. Alors, ouais, vers la gauche, là. Un peu plus loin de nous, hein. Ouais. C'est bien ça. Et là tu fais une attaque normale. Ou un bélier pour le faire tomber. Non non non, bah non ça va pas le faire tomber le bélier, ça fait combien de dégâts? Tu fais d'abord une attaque normale. Regarde ses points d'armure. Pour faire tomber quelqu'un avec une attaque physique, il faut que ses points d'armure soient à 0. Ou que tu les mettes à 0 par exemple avec le bélier. Sauf que bélier ça fait pas beaucoup de dégâts. Ah non. Je vais faire bélier sur la deuxième. Je trouvais pas, il avait encore de l'armure. Mais non, tu m'as pas compris. Ah. C'est, tu vois, s'il lui restait par exemple 11 points d'armure, peut-être que Bélier fait 12. Donc en soi, tu le mets à 0 et en plus il tombe. C'est pas parce qu'il a. Ah, okay. C'est pas parce que tu vas le mettre à 0 mais qu'il avait toujours de l'armure, ça va pas marcher. C'est à partir du moment où tu dépasses le montant, c'est bon. On renverse-le, je sais. Faut pas qu'il tape, il est trop dans l'eau. Non, garde tes points. Ça sert à rien, on veut pas lui faire des dégâts magiques là, il est parti full physique. Il faut que tu t'occupes des moines silencieux en fait. Ils ont pas d'armure du tout. Et ouais, je vais booster l'armure magique moi. 2 PA, ça me coûte combien de me TP? L'armure pour tout le monde là, hein, dans les 3 prochains tours. Si vous êtes dans mon aura, armure physique. Ok. Non. Tire pas à travers les barreaux. Connerie. To none.
Ça va être dangereux au prochain tour, donc on va faire ça maintenant. Bon là les golems, au tour d'après, ils vont tous nous attaquer, hein. Ça va être... Vas-y, je vous regarde. Pour buter au moins un moine silencieux avant. Ça serait bien. Ah, 136 PV. Ou Nils, au choix, mais il faudrait buter Nils dans tous les cas. Pour l'instant, il est contrôlé. Faudra l'inverser là. Ça sert à rien de lui faire des dégâts magiques, on n'est pas parti sur ça. Conservez vos points hein, quand vous avez rien à faire. C'est pour le prochain tour. Parce que ça sert à rien en soi, hein. C'est. Alors. Je peux le faire tomber tout de suite. Alors attends, surtout t'as quoi? T'as pas une grenade étourdissante, un truc comme ça? Non, non, mais c'est bien ça. Ouais, une autre tatane, ça sera très bien. Avec un peu de chance, il recule. Ah bah non, il reculera pas, il est pas obligé. Ah, mais il peut se TP. Ah, c'est bien, il s'est transféré. Ced, il pourra le finir. Ou pas. Non, peut-être pas. Ced, peut-être ton attaque. Tu sais où tu sautes sur place? Tu pourras peut-être le toucher. Non, non, mais c'est le truc... Je peux me déplacer puis tirer. En fait, le problème des attaques en hauteur, c'est que les skills, vu que je monte par chasseur, ont moins de dégâts. Tu fais tir aérien et tu peux le toucher, je pense. Oui, je sais, mais je peux aussi me déplacer et tirer dessus. C'est pareil. Ça te coûte moins de points. Et si tu fais un critique, c'est possible que tu le butes. Ouais. Ça me laissera un deuxième tir pour... Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Alors si tu te déplaces, tu vas perdre vraiment de points. Ah, c'est ça, je peux pas tirer. C'est parfait le combat. Peut-être parce que ils attaquent tout le monde, les golems. Bah, avec un peu de chance, c'est ça. Ah ouais, mais si tu tires à côté aussi... Ouais, je vais tirer au bon endroit. Hein. Bon, bref. Bah, tant pis, je tire sur l'autre. Putain. Ouais, les golems, ils attaquent tout le monde. Y'a de la chance. Tu vois, il est revenu finalement. Il est revenu. Suki. Oh la gueule des golems quoi. Oh ils sont dégueulasses. Ouais ils sont vraiment immondes. Ouais. Par contre saluons le travail qu'il a fait sur leurs petites fesses. Ça c'est des petites fesses musclées. Bien comme il faut. Ah oui, Gavin, c'était le mec qui s'était échappé. Oui, comme oui, une pute, il nous avait fait un doigt et il s'est retrouvé ici. Quel connard. Ah là, résistance au poisson de 60... Poison de... Poisson. Au poison. 60%. Résistance poisson. J'ai une allergie. On peut lui faire le choc électrique sur lui, hein. Il a pas d'armure magique. Ouais, qu'est-ce que tu dis ? Ton choc électrique, tu peux lui faire sur le golem. Quel ? Bah le golem de viande, il a pas d'armure. C'est pas électrique, c'est aléatoire. Ah oui, le choc, quoi.
Ah, ça a touché la... C'est la, le golem qui allait toucher, mais je pense que ça tu pouvais pas te toucher. Ah, ça va faire mal. Ah. En Nails est mort. Ouais. Reste les golems quoi. Il a souvent mal au crâne le. Qui c'est qui attaque les. Les moines silencieux. Les mecs dans la cage. Ah ouais. Parce que ce sont des bêtes horribles qui se sont enfuies de leur cage. Qui s'est réveillé. Ah, je vais faire combat pour, c'est fini. Ça y est. Elle vous fait des bisous. Non, de manière, elle a donné le sein à Wael. Ça shoot apparemment. C'est comme si tu prenais un pet, quoi. Tu t'es claqué. Ah ouais? Ouais, ça, bah, ça libère des hormones, en fait, des endorphines, et donc tu t'es bien, mais t'es... Oh putain, ça t'en libère pas mal, hein. Si t'es shooté derrière... Ah oui, non, t'es shooté au point, là, elle était bien, elle a donné le sein à Wael, tout de suite elle avait envie de dormir, quoi. C'est fou, ça. Comme si elle avait pris un somnifère, bah, c'est pour ça que les petits, quand ils prennent le sein, tout de suite après, ils s'endorment, quoi. Alors, En fait, ils se font droguer, c'est littéralement ça. C'est le vent quand il prend le sein de d'Eva, ça fait pas la même chose. Ça y est. Ah bordel. Il reste pas beaucoup d'ennemis là. Ils sont tous en bas à droite, les trois. Là. En bas à gauche. Mais toi t'es à droite. Enfin, pour toi c'est peut-être à droite. La caméra est à droite. Normalement ça c'est l'un des derniers combats à l'intérieur, après il reste un truc dehors et après c'est l'extérieur. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de tout récupérer toute la zone, tout envoyer, comme ça après on rechargera, il n'y aura plus qu'à continuer. Après t'auras un sort, je sais, qui s'appellera le saut du phénix. Ça te permettra un peu d'avoir de la verticalité parce que... C'est compliqué en termes de... Pas évident de faire tout le temps le tour. Clairement pas. C'est aussi pour ça qu'il y a la téléportation. Les ailes. Ouais. Ah, c'est pratique quand même. Thank you.
Et ça devient costaud une incarnation après, hein. Pas facile à tuer, hein. Quand elle va arriver au niveau 10, ça va être marrant. On se fait pas déçu. Ouais, les trucs deviennent énormes, quoi. Ça, on dirait un loup-garou, quoi. Comment tu sais ça, là? Parce que j'ai déjà eu. Moi, j'avais pris, quand j'avais fait ma partie solo, j'étais parti en mode... Ah, oui, oui. En mode druide, hein. Je me disais c'était un peu chaud quand même pour pouvoir le toucher là, c'était... Bah ouais. Mais bordel. Ça va, je t'avais remis de l'armure. Hein. Et tu vas en gagner pendant 3 tours. De l'armure physique, c'est bon, ouais. C'est violent. C'est bien, c'est bien. Ouais. J'ai récupéré les trucs. Regardez au sol s'il n'y a pas des trucs lambda. Ah, tu peux gérer le perso de Suki, j'ai fait quitter pour elle. Stay off that particular device. Non, il y a un casque quelque part. Une pince à 31 pièces d'or. Bon, je pense pas que ce soit très utile. Oh, j'avais jamais vu ça! Elle est là! Quoi? Ah bah, on attendra pour la prochaine fois. Ouais, faudra vous en souvenir. Ouais. La meuf qui est en bas à gauche là? À côté de la grille? Ouais, je l'avais jamais vu. Ou alors, je m'en souviens pas. Si. J'avais vu. Je vais vérifier, il y a des petits tombeaux là-bas. Il me reste plus qu'un endroit à faire vite fait. Après, ici. Petit bâton compact. Ouais, ça a l'air inutile. Les couteaux de Nils, normal. Ouais, je les vois. Là, éclair émettant. Ah, découpe visage. Là on était avec le Kleps, ok, pour moi je pense que c'est pas trop mal. Je me méfie comme ça, mais ça a l'air plutôt pas mal. Tu pourras m'envoyer le découpe-visage, s'il te plaît? Ouais, attends deux secondes, tiens, je t'envoie. C'est quoi le découpe-visage du coup? Ça fait creuser les autres, c'est ça? En fait, tu peux choper le visage de toutes les races en découpant le visage des morts. Ouais. Et après, ça te permet de créer un casque mystique qui te permet de te transformer en lézard, en humain, en nain ou en elfe. Et du coup, t'obtiens leur passif. Mais bon, ça te prend la place de ton casque. Tu l'utilises surtout pour. Ah merde, du coup, le corps il est plus là. Surtout pour les morts vivants en fait. Pas que les gens se doutent que ce sont des morts vivants. Bon, c'est pas mal, tu peux téléporter en restant furtif. Oui. C'est bien ça. Oui, pour c'est ton camouflage. Oui. Oui, tout à fait. Ah, j'ai pas vu dans la cage. Oh, un visage tel, je dois y aller voir là-bas. J'ai le nain. Faut qu'elle les bouffe,
Les organes là, les trucs tête et machin, Suki. Oui, je les garde pour l'instant. Je t'ai tout envoyé. Les charmes avec la grenade d'amour, c'est juste qu'ils attaquent d'autres adversaires, c'est ça ou... Pendant 2-3 tours, ils attaquent des ennemis. Aléatoirement, je pense. Alors là, j'ai 4 visages. Maintenant, il faut. Comment on fait déjà? Combiner. Tac, 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 tac. Comment ça fait ça? Je sais plus. Je me souviens plus. Il va y avoir un bouquin qui permet de savoir comment on fait, mais je me souviens plus. C'est le truc que utilise Fane en fait pour se. Se planquer, mais lui il a déjà la recette de base, mais là je suis un peu du tout avec un casque. J'ai pas sauvegardé d'ailleurs. Si le chat meurt, c'est pas de problème. Non, mais le chat, j'ai rien fait avec le chat. Tout va bien, le chat va bien. Bon, je me souviens plus, tant pis. Voilà, et là, il restera plus qu'à. Ah oui, on va se mettre à côté. On va se mettre à côté de Triss, là, la meuf. À côté de Tetris ? C'est ça, à côté de Tetris, là, juste là. De la surface où tu te trouves, la... le mode furtif est pas le même. C'est bon? Bon, je vais sauvegarder. Ah, voilà. Et voilà. Bon. Eh bah c'était laborieux hein. Mais bon, on s'en est sorti, c'est un peu le principe aussi. Ouais, on a réussi. Oh. Tiens bah va au coin. Voilà, ça suffit. Ça y est, il va le spammer ce truc là maintenant. Oh regarde, je peux me régénérer! Mais t'as vu, c'est bien hein. 13 points d'armure par-ci, 12 points d'armure magique par-là. Moi, j'ai pas d'armure magique. 13 points d'armure magique, c'est. C'est fort. Sur 3 tours. Bon allez, on va s'arrêter là pour le stream, donc on va dire, on va faire un bisou au stream. Bisous le stream. Allez, ouais, salut, voilà, stream. J'espère que vous avez apprécié ma souffrance et la leur. Suki fait un bisou de loin. Ouais. Et on dit bah ciao et à la prochaine hein, ouais, pour un épisode 5 et puis voilà. Allez, ouais. Salut, voilà.